Notre dossier du samedi est une plongée dans la French Tech régionale. Auvergne-Rhône-Alpes abrite 15 000 entreprises du numérique. Elles ne font pas encore partie des licornes, ces sociétés valorisées à plus d'un milliard de dollars, mais ces startups ont du potentiel. Certaines ont même participé en janvier au plus grand salon mondial de l'électronique à Las Vegas. Lise Rigée, Christian Conxicker. T'en as une sur la partie des ondes. Okay. Mirsen, c'est sa M-Box. Okay. Hexadrone et son Tundra. Deux concepts, deux innovations pour deux jeunes entreprises qui rêvent de grandir. Leur point commun, avoir participé au CES, le Consumer Electronics Show de Las Vegas, le plus grand salon dédié aux nouvelles technologies grand public. Un événement incontournable où se sont retrouvées 45 startups d'Auvergne-Rhône-Alpes, les futures pépites de la tech régionale, bien décidées à conquérir le monde. À des milliers de kilomètres de là, un drôle d'engin vole dans le ciel de Haute-Loire. Un drone encore au stade de prototype. Alexandre Labesse est le concepteur du Tundra, une machine aux applications multiples, surveillance, protection, secours, audiovisuel. Un mécanisme breveté pour répondre au cahier des charges de clients comme l'armée ou le secteur de l'industrie. Pour pouvoir convenir à tout le monde, tous les scénarios d'usage, tous les milieux, le chaud, le froid, le sable, le vent, etc., les charges utiles, on a décidé de la rendre ultra modulable. Donc les bras sont démontables et on a aussi plusieurs possibilités d'interface au niveau des accessoires. Donc on veut vraiment que nos clients perçoivent le Tundra comme un porte-outil volant. Passionné de modélisme, Alexandre Labesse a laissé son emploi de technicien dans le textile pour monter sa société en 2014. Aujourd'hui, une équipe de 7 personnes travaille au développement de l'appareil. Il y a une année où j'ai travaillé la tête dans le guidon dans mon garage et l'année d'après je me suis vraiment ouvert au monde extérieur et ça, ça a été vraiment, vraiment très profitable. Et c'est là où on gagne un petit peu d'ambition, on rencontre des gens qui ont du poids dans la région et qui vous disent bah, il faut y aller, il faut se lancer, il faut faire ça, etc. etc. Et puis bah, petit à petit, on arrive à ça. Ouais. En une semaine ou en 4 jours, ils ont peut-être vu 30 partenaires, alors que ça leur a pris 30 semaines pour les visiter chacun indépendamment. Booster son activité et se révéler. Pour les startups qui vont au CES, les attentes et les espoirs sont nombreux. Le pôle de compétitivité minalogique les accompagne dans cette aventure à laquelle il faut se préparer. Il y a 4 grandes choses qu'une entreprise peut faire là-bas. La première chose, c'est effectivement travailler sa visibilité, se faire connaître au monde des médias, à ses futurs clients, etc. Ça peut être de trouver des partenaires stratégiques, ça peut être de trouver des financeurs ou tout simplement faire de la veille concurrentielle et de la veille stratégique. Il faut absolument en amont qu'ils soient clairs sur leur objectif en allant au CES et donc se préparer pour un seul objectif, voire un objectif en secondaire, mais pas les 4 à la fois. Donc là, tu vois, par exemple, tu as une capsule sur la partie Sense qui est sur la partie des UV. Tu en as une sur la partie des ondes et une sur la partie des airs. Voilà. Okay. Voici M-Box, un boîtier connecté pour évaluer l'environnement immédiat et les risques potentiels sur la santé. Une technologie à la fibre écolo, c'est un peu l'ADN de Mirsens. J'habitais en Chine pendant plus de 5 ans. Mes enfants sont nés en Chine et il s'avère qu'il y a quelques années de ça, il y a eu le scandale de la mélamine sur le lait contaminé. Et donc on s'est dit, mais tiens, finalement, comment on fait pour vérifier qu'il n'y a pas de risque pour nos enfants? Et à cette époque-là, il n'y a pas de solution. Donc on s'est dit, à un moment, on ne peut pas attendre. Il faut qu'on prenne notre énergie, qu'on essaie avec nos petits bras et nos petits efforts et nos envies justement de pouvoir créer une solution. Et donc c'est comme ça que Mirsen s'est créée. La jeune pousse a seulement 4 mois d'existence et elle vient d'installer ses bureaux dans cette pépinière d'entreprise. Robotique, création numérique, graphisme, un atelier mutualisé et mis à disposition pour réaliser des prototypes. On peut les aider à faire ça, à moindre coût typiquement, pour faire de la pièce unitaire, mais qu'on ne va pas payer 15 000 euros parce qu'il faut acheter tel type de machine, tel type de matériaux qu'on ne trouve pas, etc. Là, on va pouvoir leur permettre de raccourcir complètement ce circuit en faisant ici cette pièce unitaire-là, qui va leur permettre après comme une sorte de canevas pour pouvoir faire de la série par derrière. En fait. Les startups du numérique, un secteur à haut potentiel qui emploie plus de 90 000 salariés dans la région. Dans la métropole de Lyon, l'écosystème est particulièrement dynamique. La Halle Girard va devenir le nouveau lieu totem de la French Tech. À peu près en gros 4000 m², dont 1000 m² pour de l'événementiel et à peu près 3000 m² pour héberger des startups, héberger des accélérateurs, des incubateurs. On va faire en sorte aussi que les startups puissent aller à la rencontre des principales administrations qui viendront ici régulièrement.
Santé, énergie, intelligence artificielle, dans tous les domaines, les idées sont là. Des projets à construire, à financer, à concrétiser. Pour Hexadrone et Mirsense, rendez-vous est déjà pris l'an prochain à Las Vegas.